Que Dieu vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition spéciale Retro Info 2023. Et nous continuons notre tour d'horizon des faits qui ont marqué l'actualité en cette année 2023. Et cette fois-ci, nous parlerons de l'Académie Pastorale. Académie Pastorale qui a tenu sa première édition cette année 2023, précisément du 7 février au 30 mars. Une académie qui est appelé, comme le rappelait d'entrée de jeu le pasteur Boniface Menye, à enseigner sur le ministère pastoral de la proclamation de l'Évangile aux implantations des églises, à la croissance des églises et au développement des ministères capables de provoquer la croissance numérique et qualitative. Pour cette première édition, 10 étudiants sont venus de l'international envoyés par le leader mondial de la CMCI, le pasteur Théodore Andoseh, dont 5 venus du quartier général Koumé-Bertoua et 5 autres venus de la Centrafrique et du Gabon. Ils ont pris part à ces 2 mois de formation qui, pour cette première édition, a été axée sur le ministère de délivrance à partir du ministère d'en finir avec le passé, avec emphase sur le brisement des liens malsains de famille et autres liens. Mais avant d'aboutir à ce point, le pasteur Boniface Menye a commencé par enseigner les étudiants composés de nos étudiants venus de l'international, des missionnaires nationaux, des anciens et dirigeants de l'Église, et plusieurs volontaires désireux d'apprendre du ministère pastoral. Le ministère pastoral donc a été au centre de ce programme. Le pasteur Boniface Menye a enseigné donc les étudiants sur les éléments fondamentaux du ministère pastoral et ensuite les outils du ministère pastoral qui inclut le ministère de la délivrance avec emphase sur le brisement des liens malsains de famille et autres liens qui est l'un des points saillants du ministère d'en finir avec le passé, comme l'a reçu et enseigné le professeur Zacharias Tanee Fomum. Nous parlerons donc de cette académie pastorale au cours de cette édition spéciale et nous voulons vous permettre de revivre l'ouverture solennelle de ce grand rendez-vous dans ce grand format. Le frère Théodore m'a chargé de dire aux anciens qu'ils devaient venir procéder à l'ouverture du collège pastoral lui-même. That he was the one to come and open the pastoral college. Mais vous connaissez les charges et les occupations. But you know his charges and responsibilities. Il m'a demandé de vous supplier d'accepter que la présence de ces hommes soit un cachet qui authentifie, qui déclare, qui décrète l'ouverture du collège pastoral. He has charged me to ask you that the presence of this one be a stamp for the opening of the pastoral college. Donc, le collège pastoral, the pastoral college, a ouvert ses portes et les travaux commencent demain. Has opened its door and the work is starting tomorrow. C'est par ces paroles du pasteur Boniface Menye que s'est ouverte solennellement le collège pastoral de la CMCI ce mardi 7 février 2023 au siège de la dite communauté en Côte d'Ivoire. Une ouverture marquée par la présence de nos 5 étudiants venus de Koumé, quartier général de la CMCI, envoyés par le leader, le pasteur Théodore Andoseh. La délégation de 5 personnes est constituée du pasteur Constantin Ekoué, ministre assistant au centre de guérison, de délivrance et de miracles du quartier général, Elie Arétouyap, pasteur à la base et l'un des collaborateurs du frère Théodore, le frère Marek Etoabok, pasteur du centre expérimental de l'école de la connaissance du service de Dieu, le pasteur Dahouda Jean-Patrice, missionnaire du tapis rouge basé à Bertoua, et le pasteur Godlive Eyalo Sakwe, missionnaire du tapis rouge en formation pour être pasteur du bureau du leader mondial. Comme indiqué d'entrée de jeu par le pasteur Boniface Menye, le pasteur Théodore Andoseh a mis ainsi son sceau sur l'ouverture officielle de ce collège pastoral qu'il avait annoncé en décembre 2016 à l'occasion de la 3e conférence internationale sur la croissance des églises tenue à Abidjan. Ici en Côte d'Ivoire, il faut que nous ayons le collège des pasteurs. Alléluia. Amen. We must have the Pastors College. Et il nous faut avoir l'académie des pasteurs. In Abidjan. À Abidjan. Pour que ceux qui viennent ici ne soient pas les pasteurs débutants. C'est une académie. Yeah. C'est des pasteurs rodés qui ont besoin de la spécialisation. Alléluia. Amen. Nous amenons à l'existence cette académie pastorale afin que chaque dirigeant soit un architecte qui construit en suivant un plan divin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Seigneur éternel, pour cette académie des pasteurs que tu nous décris. Oh, nous l'acceptons, Seigneur, nous te croyons. Et nous voulons juste, Seigneur éternel, te retourner cette pensée pour que tu l'établisses véritablement et que nous la voyions, Seigneur, ici à Abidjan, tel que tu le décris, Seigneur. Nous prions que tu le fasses. En effet, les conférences internationales sur la croissance des églises de 2013, de 2015 et de 2016 ont été l'occasion pour le pasteur Théodore Andoseh de donner aux missionnaires et dirigeants présents les cours magistraux de base constituant le socle doctrinal du collège pastoral. À cet effet, dans les enseignements donnés du 15 au 18 décembre 2016, consignés dans ce livre intitulé « Le ministère pastoral », le pasteur Théodore Andoseh décrit à partir des Saintes Écritures les vertus et profils constituant la maquette des pasteurs que devra former le collège pastoral de la CMCI. Le pasteur est à cet effet en charge de la croissance de l'Église dans le sens qu'il œuvre à prendre soin et à multiplier les brebis amenées dans l'Église par l'œuvre de l'évangélisation. À partir du psaume 23, 9 points ont été déclinés par le leader mondial de la CMCI, relevant de l'imitation de Dieu le Père en tant que pasteur. Le pasteur doit pourvoir à la nourriture spirituelle, pourvoir à l'encouragement des brebis, pourvoir à l'assurance des brebis, pourvoir au leadership, pourvoir à la sécurité des brebis, assurer la victoire et la suprématie sur l'ennemi, pourvoir aux équipements pour le service, assurer le suivi et assurer la supervision. Joint au modèle de Dieu le Père en tant que berger, les pasteurs doivent imiter le Fils, le Seigneur Jésus, dans son ministère pastoral indiqué dans Jean le chapitre 10, ainsi que les apôtres en tant que pasteurs selon le modèle de Pierre, de Paul et de Jean. Le collège pastoral ayant ainsi une base doctrinale claire, l'Église de Côte d'Ivoire, sous la coordination du pasteur Boniface Menye, a reçu la charge de poursuivre et développer cette base doctrinale par des travaux pratiques en vue de la pérennisation et la multiplication des pasteurs, pourvoyeurs de croissance numérique et qualitative de l'Église. Le leader mondial, le pasteur Théodore Andoseh, the world leader, pasteur Théodore Andoseh, avait annoncé ici annonce hier que la Côte d'Ivoire va abriter le collège pastoral de notre ministère. That Côte d'Ivoire is going to have the pastoral school of our ministry. Le collège pastoral. The pastoral college est une institution qui est appelée à enseigner sur le ministère pastoral. It's an institution called to teach on the pastoral ministry. De la proclamation de l'évangile aux implantations des églises, à la croissance des églises, au développement des ministères capables de provoquer la croissance numérique et qualitative. À l'occasion donc de cette session d'ouverture qui se poursuivra sur 2 mois, les anciens et les missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire ont répondu massivement présents, joint aux 5 pasteurs du quartier général. Nous avons reçu cette nouvelle avec beaucoup de gratitude envers Dieu et beaucoup de reconnaissance envers notre leader, le pasteur Théodore Andoseh, qui vraiment a une vision du professionnalisme, qu'il veut que les choses soient bien faites. Hein. Donc, pour nous, nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur et nous avons beaucoup d'attentes. Et pendant que nous allons commencer cette école, nous nous attendons à beaucoup de choses. commençant par nous-mêmes d'abord. Je dois dire que depuis que nous sommes arrivés, nous avons commencé à toucher du doigt la réalité du ministère du brisement d'en finir avec le passé. Déjà, par la manière de faire les bien-aimés, quand tu salues un frère, il te dit seulement sois béni. Tu salues quelqu'un, c'est toujours une parole de bénédiction. Et je vous assure que c'est déjà une délivrance de notre part. Et nous avons également eu des contacts avec le pasteur Menye. Et au sortir de nos conversations, personnellement, j'ai été profondément béni. Et je peux dire que le Seigneur nous a exaltés. Le Seigneur nous a exaltés au travers de chacun de vous, au travers du frère Boniface Menye, la manière dont les choses ont été faites aujourd'hui. Je peux dire que je suis ébahi. Et avant même que nous ne passions véritablement à la phase pratique, je sais que nous allons réussir. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes disponibles. Nos cœurs sont disponibles pour recevoir, apprendre. Parce que le leader, le frère Théodore qui nous a envoyés, compte sur nous. Le frère Boniface, dans ses propos, a dit qu'il compte sur nous. Et nous croyons également que le Seigneur compte sur nous. Et je peux proclamer que l'ensemble du ministère sera béni au travers de nous. Mais en fait, nous avons été envoyés ici pour cette collège pastoral, pour être formés, comme ça a été dit clairement. Et c'est une œuvre particulière et nouveau. Un département très nouveau qui est en train d'être bâti. Mais en fait, l'accueil a été chaleureux, ça a été très joyeux, magnifique. En fait, la simplicité de l'accueil m'a beaucoup touché. Et la simplicité de la vie, l'amour partagé, la joie des frères, partagée avec l'un et l'autre, vraiment c'est touchant, ça me fait chaud au cœur en fait. Et c'est la première chose que j'ai appris. L'amour partagé, en toute simplicité. Donc je constate juste que vraiment cette œuvre a produit des hommes. Et nous sommes vraiment contents d'être parmi ceux-là dont cette œuvre que nous venons apprendre à produire. Et non seulement de cette étude que nous venons recevoir, non seulement de cette leçon que nous allons apprendre, mais nous sommes aussi en train d'apprendre des leçons déjà établies qui sont des hommes. Et nous sommes en train de vivre avec ces études vivantes des hommes. Donc c'est quelque chose de très magnifique. Pour moi, je suis tellement en joie, mon cœur est tellement plein de joie, j'ai envie juste de crier de joie en fait. C'est une bonne chose que je fais ici et je prie que ça soit pas la dernière et que nous viendrons toujours pour apprendre davantage et développer ce dont nous allons apprendre. Notons que les cours du collège pastoral de la CMCI ont bel et bien ouvert leurs portes et les formations ont débuté dès le 8 février 2023. Et il est à noter que 5 autres étudiants ont rejoint les pasteurs venus du quartier général. Ce sont notamment des pasteurs venus de la Centrafrique et du Gabon. Réécoutons ce qu'ils ont dit à notre micro dès leur arrivée à cette académie pastorale. Le frère Zach, notre père à tous, a enseigné sur en finir avec le passé. Dans le livre « Le chemin de la vie ». Mais c'est resté comme un bon texte, comme une loi, comme un décret. Il faut donc des textes d'application, il faut l'applicabilité. Comment faire de façon pratique pour traiter le passé, pour briser le passé des gens, pour en finir avec le passé. Et c'est cela que le pasteur Boniface a reçu la sagesse de Dieu pour appliquer, pour l'applicabilité de ce message du frère Zach. Et je bénis le Seigneur pour la grâce de Dieu sur le pasteur Boniface Menye d'avoir reçu cela comme une révélation du Seigneur. Et quand je suis en Côte d'Ivoire, ce que j'entends, ce que je vois, vraiment le fondement est solide. C'est un message nécessaire. Et je voudrais en profiter pendant pendant la période de ma formation à l'académie. J'ai besoin moi-même de vivre le renversement des idoles, le renversement des principautés personnelles et familiales dans ma vie avant de l'appliquer aux autres, avant de rendre ministère. Je suis émerveillé et je crois que c'est quelque chose qui m'a manqué. Et Dieu a bien su. Et il a demandé à son serviteur de me faire venir ici afin que j'aie ces compléments-là. Et je suis très reconnaissant. Vraiment, je découvre que bien que j'ai cru il y a longtemps, il y a des choses dans le chemin de la vie que le frère a enseigné. C'est même le livre que j'ai lu qui m'a permis de donner ma vie au Seigneur. Mais je me rends compte qu'il y a des choses dedans qui ont été voilées pour moi. Et maintenant, je les découvre. Je commence à les découvrir. Ma prière, c'est que je rafle tout et que vraiment je parte étant une nouvelle personne. Cette académie pastorale s'est déroulée avec une méthodologie de travail alliant enseignement, témoignage expérimental et pratique, sans oublier les visites dans les églises pour les fruits des différents enseignements donnés au cours de chaque session, suivant une synthèse de cette méthodologie de travail dans ce reportage. Pour cette promotion de l'année académique 2023, qui voit la participation de 10 étudiants envoyés par le leader mondial, le pasteur Théodore Andoseh, les cours s'ouvrent sur le module de base portant sur le ministère pastoral, de la proclamation de l'Évangile aux implantations des églises, à la croissance des églises et au développement des ministères capables de produire la croissance numérique et qualitative. Pour ce qui concerne le point relatif au développement des ministères, l'accent a été mis sur le ministère de délivrance, qui constitue l'un des outils importants du pasteur dans ses soins de qualité à apporter aux brebis. À cet effet, le brisement des liens malsains de famille et autres liens et son importance dans le processus d'en finir avec le passé est enseigné aux étudiants à partir d'une méthodologie de travail alliant témoignage et enseignement. Chaque séance de formation est donc marquée par 2 témoignages des frères délivrés, des témoignages montrant l'évidence de la sorcellerie, des liens malsains et leurs multiples sphères d'influence et de manifestation. Ces témoignages qui donnent lieu d'expériences pratiques sont analysés à travers une méthode didactique participative qui inclut les questions des étudiants aux témoins et à l'enseignant, le pasteur Boniface Menye. Une étape importante qui apprend aux étudiants à discerner les symptômes, mettant en lumière le besoin critique du ministère de délivrance dans la vie des brebis. Cette séance de témoignage et d'analyse est suivie par les enseignements du pasteur Boniface Menye, qui sont partis de l'évangélisation, suivis par le ministère pastoral, et maintenant, si on finit avec le passé et toutes ses implications. Béni et édifié à chaque séance de cette académie pastorale, notons que le programme quotidien des étudiants s'ouvre de 4 h à midi, marqué par les retraites individuelles. Ensuite, la restauration entre midi et 14 h et les cours en salle marqués par les témoignages et les enseignements se tiennent de 14 h à 21 h du lundi au vendredi. Et les samedis et dimanches sont consacrés aux visites dans les églises pour la formation sur le terrain et la communion fraternelle. En plus de tous les enseignements reçus et les témoignages qui confirmaient les fruits du ministère du brisement des liens malsains de famille et autres liens, les étudiants ont pu participer à une séance pratique et expérimentale de ce ministère au cours de cette première édition de l'Académie pastorale, suivant le grand format portant sur cette séance expérimentale et pratique du brisement des liens malsains exécutée par les étudiants de l'Académie pastorale, soutenue par les équipes de délivrance de la CMCI Côte d'Ivoire. Séance pratique de brisement des liens malsains de famille et autres liens pour les étudiants internationaux de l'Académie pastorale de la CMCI, les lundis 13 mars et jeudi 16 mars 2023. Après plusieurs sessions, marquées par des enseignements et des témoignages illustratifs de l'importance du ministère de délivrance dans l'efficacité du ministère pastoral, et après les révélations et les réponses pratiques reçues pendant les cours déjà écoulés de l'Académie pastorale, place a été donnée à la pratique du ministère de délivrance, et ce à travers le brisement des liens malsains de famille et autres liens. Pour ces séances pratiques et expérimentales, le ministère a porté sur 46 frères et sœurs, venus tous de la localité d'Alépé, dans la région des Grands Ponts, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Sous la direction de leur dirigeant, le pasteur Adiko, ils se sont rendus au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Sisa Adjamé Liberté, pour leur délivrance. Nos 10 pasteurs venus du Cameroun, du Gabon et de la Centrafrique se sont donc retrouvés au cœur de l'application des enseignements reçus ces dernières semaines du pasteur Boniface Menye pour mener à bien le ministère de ses 46 frères et sœurs au programme des 2 jours. Des équipes ont été constituées avec à la tête les étudiants internationaux assistés par les ministres de délivrance. Chaque étudiant a reçu sur les 2 jours 4 à 5 cas de délivrance après avoir reçu les directives de leur formateur, le pasteur Boniface Menye. En premier lieu, le ministère commence par l'entretien avec les brebis, une étape marquée par une écoute attentive, écoute pastorale, qui est l'une des étapes les plus importantes de la délivrance, consistant à discerner les origines des mots des candidats à la délivrance, de sorte à bien orienter les sujets de prière pour un ministère efficace et complet à mesure d'opérer une libération totale de la brebis. Après s'être enquéri en long et en large de l'histoire et des faits saillants de la vie de la brebis, place à la prière, marquée par la séparation systématique et au brisement des différents liens malsains de famille, d'idolâtrie, de totems, de villages, de religions pratiquées, de féticheurs ou marabouts visités, de partenaires sexuels et bien d'autres liens susceptibles de servir de pont à travers lesquels la sorcellerie et les puissances maléfiques pourraient avoir accès à la vie des frères. Au nom de Jésus, je juge, je les chasse, tous les démons, les esprits méchants qui m'ont suivi jusqu'à ce jour, pour exercer une emprise sur ma personne, à cause de ce que je suis leur frère. Au nom de Jésus, je proclame que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et que je juge tous les esprits dans le corps de Jésus, tous les esprits de mort, tous les esprits humains qui m'ont suivi jusqu'à ce jour. Pour exercer une emprise sur ma personne, pour exercer un pouvoir. Nous brisons du sang, je brise par on esprit du corps, je détruis cette alliance de son nom, je le taille en pièces. Nous séparons de ses injurités, je brise son péché, séparons de ses maladies, je brise sa malédiction. Je juge, je te chasse, tu es un méchant, tu m'as suivi jusqu'à ce jour, pour exercer une emprise sur la personne à cause de certains procès. J'appartiens à Jésus, au nom de Jésus-Christ, que tous les monuments qui ont été bâtis dans ma vie, à cause de cette fête, c'est pour. Je proclame que je suis en face de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, si un de mes frères ou de ma soeur m'avait marié, au nom de Jésus-Christ, je renonce à ce mariage. Au nom de Jésus-Christ. Déchire-nous la demande. Cassons les barres, nous cassons la bouteille. Cassons les barres. Je brise tous les démarches. Prison qui me lie à mes parents, paternels et maternels. Au nom de Jésus-Christ. Je sépare, je juge et je chasse tous les démons, tous les esprits méchants qui m'ont suivi jusqu'à ce jour. Je proclame que les dieux de mon père ne sont plus mes dieux, que les coutumes de mon père ne sont plus mes coutumes, que les traditions de mon père ne sont plus mes traditions. Je proclame au nom de Jésus. Pendant le ministère, on assiste à l'exercice de l'autorité pour briser toutes les résistances et conduire les brebis dans une délivrance totale. Sors au nom de Jésus. Sors de ton nom de Jésus. Tête l'homme de Jésus. Commandant de la nation de la bataille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous la séparons de Dieu. La rachons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux élevés en Jésus-Christ. Nous te bénissons des bénédictions financières au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons des bénédictions matérielles au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons avec la longévité, avec la grâce d'accomplir pleinement le terme de ton séjour sur la terre et d'accomplir les desseins de Dieu, le but de Dieu pour ta vie. À la suite des ministères, chaque ministre fait le bilan du travail effectué. Et le Seigneur a agi au cours de cette séance pratique, tant dans la formation de nos pasteurs que dans la délivrance enregistrée par des frères. On confirme les témoignages enregistrés pendant les comptes rendus. Compte rendu, desquels découlent des témoignages qui démontrent les grandes leçons apprises par les étudiants à partir de ces séances pratiques et expérimentales. Après les témoignages des étudiants et des frères qui ont reçu la délivrance, le pasteur Boniface Menye a conclu les ministères en conduisant l'étape de la bénédiction finale. Notons que ce sont en substance 46 frères qui ont reçu le ministère du brisement des liens malsains en ces 2 jours, de quoi a réjoui le pasteur Adiko, dirigeant de l'église d'Alépé, de laquelle proviennent tous les frères délivrés au cours de cette séance pratique et expérimentale de brisement des liens malsains de famille de l'Académie pastorale. Je crois que le choix d'Alépé vient de Dieu. Je veux lui dire infiniment merci pour ce que Alépé a été choisi pour la phase expérimentale. Que son nom soit béni. Nous sommes comblés, les frères sont venus. Effectivement, les liens ont été brisés. Ils ont été délivrés de la sorcellerie active et passive. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Nous avons tendu notre micro à plusieurs étudiants qui nous ont partagé la bénédiction et les enseignements découlant de ces séances expérimentales et pratiques de brisement des liens malsains de famille et autres liens. Écoutons ensemble. C'est une expérience enrichissante. Nous avons été enseignés et nous sommes arrivés à la pratique. Nous avons commencé lundi dernier. Et nous bouclons par cette 2e séance. L'expérience a été enrichissante. C'est quelque chose que je n'avais pas fait auparavant. Et je voudrais dire que cela ouvre maintenant les portes à cette carrière, à cette vocation céleste d'être un ministre de délivrance. Parce que le ministère pastoral s'accompagne des soins pastoraux. Et l'un des soins pastoraux, c'est de guérir ceux qui sont malades, de délivrer ceux qui sont possédés, c'est de délivrer les captifs. C'est ce que le Seigneur lui-même avait exercé. Il est venu pour délivrer les captifs. On ne peut pas mettre les gens malades, les gens qui ne se portent pas bien, les gens qui ont des démons, pour dire... Donc, ce jeudi, ça a été un cap, ça a été une expérience enrichissante qui me permet maintenant de comprendre ce qui m'attend. Merci beaucoup. Que j'ai travaillé aujourd'hui, que nous avons travaillé aujourd'hui, nous étions une équipe d'environ 7 personnes. Et on a découvert une maman qui était inconsciente dans cette pratique de sorcellerie et qui a perdu ces 3 enfants qu'elle a accouchés. Et donc, elle était elle-même accusée par l'ennemi sur le fait que ses enfants soient morts. Et elle dit un jour, elle a vu un serpent apparaître. Et ce serpent a fait quelque chose d'inhabituel. Au lieu de fuir, le serpent s'est dressé contre elle. Et elle a ordonné que le serpent soit tué. Et le serpent a été tué. Ces 2 fils vivaient encore. C'est alors que ces 2 fils sont tombés malades peu après et sont morts. Et c'était comme si c'était elle qui avait tué. Et effectivement, les démons voulaient, en fait, les sorciers ont apporté cette image pour la détruire. Et quand on n'a pas pu la détruire, ce sont ces 2 enfants qui ont payé le prix. En fait, ses parents ont pratiqué toutes ces choses et elle n'a pas voulu accepter. Mais le diable voulait forcer sa volonté pour l'intégrer là-dessus. Parce qu'elle avait souvent ce don de vision et la capacité de manipuler les herbes pour guérir les gens. Donc, l'ennemi, nous avons pu déceler qu'en l'ennemi, voulant l'initier dans ces choses, a voulu la charmer en l'amenant à voir qu'elle a des dons qu'elle doit utiliser. Et à partir de là, on devait l'intégrer. Mais comme elle a eu la grâce de se donner à Jésus, aujourd'hui, l'ennemi l'a gardée dans l'amertume. Et par la grâce de Dieu, on l'a amenée premièrement à cette guérison intérieure. Et puis ensuite, la délivrance a eu lieu. Et nous sommes bénis de comprendre que le diable se débrouille même par des voies contournées, même lorsque tu ne veux pas. Et que chacun devrait prendre conscience du fait que nous sommes tous nés dans la sorcellerie et qu'on devrait commencer par reconnaître et se repentir afin de pouvoir avoir les liens rompus et intégrer une vie nouvelle avec Jésus. Telle est mon expérience d'aujourd'hui et je vous en remercie. Après 2 séances pratiques, normalement la première journée c'était lundi et la deuxième journée c'était aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce d'avoir une équipe expérimentée, des pasteurs. Alors de mes analyses, je constate et je conclus que le nœud central du brisement des liens, c'est la phase d'écoute. C'est la phase d'écoute, c'est là où le ministère est même basé. Et de cette phase d'écoute, ça nous permet de déceler le point central du brisement lien qui traite la question de la sorcellerie. Et donc Dieu m'a permis, par cette deuxième expérience, qui a été notre apprentissage, de comment on peut arriver à déceler que tel ou tel frère vit dans la sorcellerie de manière passive ou active. Et cela m'a amené aussi à comprendre qu'il faut avoir la patience, il faut avoir le discernement, et il faut écouter le Saint-Esprit à un moment donné. Parce qu'il y a des cas, tous les cas ne sont pas les mêmes cas. Donc les cas diffèrent d'un cas à un autre. Mais en conclusion, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et je pense qu'avec deux journées pratiques, on peut maintenant exercer le brisement des liens avec beaucoup de quiétude, avec beaucoup de sérénité, tout en comptant sur le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est un ministère voué à la compassion. C'est un ministère voué à la compassion. Tu ne peux pas rendre ce ministère sans avoir été rempli et au débordement de la compassion vis-à-vis à la situation des brebis, des gens à qui tu rends ce ministère. C'est pratiquement impossible. Et l'évidence est claire à voir que tu dois entrer dans la chaussure, s'il faut dire de cette façon-là, dans la chaussure de celui qui porte ces chaussures pour ressentir ce qu'il ressent, afin de mieux comprendre la situation, l'état de la situation. Là, je t'assure, aucune des situations n'a jamais été facile, que ce soit d'un enfant, que ce soit d'un grand. Mais j'ai compris, la deuxième chose que j'ai compris dans ces choses, c'est que le ministère rendu aux enfants, le ministère rendu aux adultes et aux jeunes, c'est totalement différent. Les manières à leur rendre, c'est différent. mais les principes restent les mêmes. Donc, mais les manières diffèrent. J'ai appris une nouvelle façon aujourd'hui à rendre ministère aux agneaux. Je t'assure, c'était difficile. Pour avouer, c'était difficile. J'étais presque à bout de moi-même. Il a fallu beaucoup de grâce pour que je continue à avancer, à ne pas aller jusqu'au épuisement. Parce que j'étais vraiment... Mais si il faut vraiment dire, mes propres ressources étaient épuisées. Il a fallu que je comprenne une chose catégoriquement. Ça, c'est la quatrième chose que j'ai compris, c'est que ce ministère, c'est un ministère d'une dépendance totale à Dieu. Pour pouvoir rendre le ministère authentique et concrète, c'est une dépendance totale à Dieu. Parce que de ses propres efforts, on va juste remplir des formalités. Et aucun résultat ne serait durable. Ça serait juste pour un temps et ça va revenir encore. Donc, et c'est un ministère aussi exposé aux répercussions de l'ennemi. Donc, ça amène à être rempli constamment du Saint-Esprit et plein d'un esprit de sainteté. Le ministère du brisement des liens, bon, nous l'avons exercé dans le passé, tel que décrit dans le chemin de la vie. Et nous avons eu des résultats. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que on est allé plus en profondeur. Dans cette partie, dans le 5e chapitre, en finit avec le passage du chemin de la vie, on est plus allé en profondeur. Il y a eu des détails. On allait dans la vie des personnes. Il y avait plusieurs liens qu'on abordait. Et ça a permis que je comprenne le livre Le brisement des liens familiaux, les liens malsains de famille. J'ai bien compris ce livre-là parce que je vends ce livre-là depuis 2018. J'ai même encore un stock à Bangui de ces livres-là. Bon, les personnes achètent régulièrement ces livres-là. Bon, moi-même, j'ai souvent jeté un coup d'œil, mais je ne suis jamais allé en profondeur. Et cette fois-ci, avec la pratique d'aujourd'hui, j'ai pris goût à la chose, juste. J'ai commencé à prendre goût à la chose. C'est juste ça. Et vraiment, à la fin, au début, c'était épuisant, mais à la fin, c'était réconfortant, réjouissant de voir les choses. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli au cours de cette Académie pastorale qui, rappelons-le, était à sa première édition cette année 2023. La deuxième édition se tiendra donc en 2024 et tous les pasteurs désireux d'apprendre du Seigneur sur tous les éléments fondamentaux du ministère pastoral sont conviés massivement à se joindre à l'église de Côte d'Ivoire qui abrite cette académie pastorale dès les premiers mois de cette année 2024 à venir. Les dates précises vous seront communiquées dans nos prochaines éditions. Avant de clôturer cette édition, nous n'avons pas manqué de vous rappeler le grand rendez-vous de clôture de l'année 2023 qui est le grand festival de louanges et d'actions de grâce de célébration à l'Éternel pour tous ses bienfaits accomplis au cours de cette année 2023. Ce sera à Tiékoua le 31 décembre 2023 à partir de 20h à l'aube du 1er janvier 2023. 24. Ne restez pas à la maison, chers frères et sœurs, et allez inviter massivement les âmes parce que non seulement le salut des âmes sera au rendez-vous, mais il y aura aussi des prières pour la guérison des malades, la délivrance de toute forme de captivité et les messages du Seigneur en vue de l'édification de l'Église et aussi les orientations divines pour une marche en 2024 en conformité avec les attentes du Seigneur Jésus-Christ seront aussi communiquées au cours de cette grande nuit à ne manquer sous aucun prétexte. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour recevoir davantage des sujets d'action de grâce pour tout ce qu'il a accompli au cours de cette année 2023 au sein de l'Église et ce à travers les éditions spéciales Retro Info 2023.